Salut, salut, bienvenue sur Super Miss Info. J'ai mon petit micro. Sinon, on risque pas de m'entendre. C'est pour ça que j'essaye. J'ai un petit micro. Bref. Aujourd'hui, la chaîne YouTube fête ses 6 ans. Déjà 6 ans. J'avais 14 ans et demi quand j'ai créé cette chaîne. Je crois qu'il devait être vers 6h du matin quand je l'ai créé. J'avais pas encore de carte Sims. Et j'avais pris le fixe de chez moi. Et j'avais pris ma DS pour enregistrer les chiffres de vérification. Et pour que je me rappelle plus facilement, parce que j'avais un cerveau un peu de poisson rouge. Bref. Là, j'ai terminé mon année de bac. J'ai les résultats vers 10h le 6 juillet. Et si j'ai mon bac, je vais en BTS. Mais je ne dirai pas pour l'instant quel BTS. Vous saurez juste en moins de 7 ans quel BTS. Voilà. Après, question pour les autres vidéos. C'est un peu compliqué parce que je sais pas, ça fait un moment que je ne fais plus de vidéos comme avant. Mais de toute façon, je ne peux pas pour l'instant. Là, j'ai du grand ménage de poisson entre les peluches qui se cassent la figure, qui se barre au milieu de la nuit. J'ai aussi une grande sainte des peluches, vous voyez. Vous voyez. Ah! Les films miroirs, je déteste ça. Les peluches là. Et j'ai des peluches qui se sont barrées au milieu de la nuit. Alors je dois les ranger encore. Après, je dois faire encore un tri. Bah, j'arrête de faire le tri de mes cours de terminale après cette première, seconde. Après, j'hésite entre les jeter ou les garder pour faire barbecue. Mais ça, c'est. Bref. Après, pour les best-of TikTok, j'en ai déjà. Attends, j'ai failli faire tomber mon téléphone. J'ai eu peur tout sur le coup. Il y en aura en tout 32 TikTok pour le best-of TikTok numéro 15. Et après le 16, j'en ai pour 116. Et j'ai supprimé le montage de mon téléphone parce qu'il buguait. Je vais peut-être en rajouter un télécharger un autre ou qui buguait. Peut-être à cause de la chaleur. Bref, une fois, il me fait un peu de problème. Voilà, c'est un vieux micro. Mais j'ai juste perdu le sketch. En fait, ça faisait un truc comme ça, mais j'ai perdu le sketch. Ouais, bref, vous voyez compris. Bref. Après, je suis toujours sur Super Family. Bah, vous voyez sur à propos de ma chaîne, c'est marqué mon truc pour être de Super Family. Après Maurice Tapanette, je suis plus depuis un petit moment. Après, avec Rue sur la DS, il y a pas longtemps que j'ai compris, grâce à TikTok, que ça avait fermé. C'est pour ça que j'avais du mal à aller. Et après, il est. Voilà. Après, j'ai aussi des vidéos que j'avais fait il y a très 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 longtemps, même avant que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, pas les personnes qui savent pas, je voulais créer ma chaîne YouTube quand j'avais 12 ans, mais j'avais fait un numéro de téléphone. Mais moi, j'étais pas très. Je n'utilisais pas souvent mon cerveau, alors. Juste pour l'école, mais après, le reste, je n'utilisais pas du tout mon cerveau. Ça veut dire que j'ai pas eu l'idée que quand ma mère partait au boulot, que fallait prendre le fixe pour le chiffre. Ah putain! Vérification, voilà. Voilà, mais j'étais trop jeune. Mais vers 14 ans et demi, j'avais quand même un peu de cerveau quand même. Bon, je vous dis, protégez-vous contre le Covid et tout. Moi, j'ai fait mon premier vaccin de Pfizer. Bah, de toute façon, si vous me suivez sur TikTok, vous savez. Et je vais vers fin juillet, je vais faire le deuxième. J'ai pas eu beaucoup d'effets. J'étais légèrement fatiguée, me voit sans plus. Mais bon, j'ai toujours du mal à dormir. Alors ça m'a pas été mieux. Mais depuis que j'ai passé le bac, j'ai du mal. Je m'endors vers 1h, 2h. Impossible. Bon, je me couche. Je vais dans ma chambre. J'éteins la lumière. Je veux dormir. Il est allez, 22h ou 23h. Je dors vers 1h, 2h matin en regardant le mur. Bon, j'utilise un peu mon téléphone vers minuit quand il est chargé. Mais voilà, sinon. Bref, je vous dis à bientôt.
Et à la prochaine. Et en espérant que je pourrai faire des vidéos, parce que j'ai énormément de projets depuis. En fait, depuis que j'étais en seconde de macro, j'avais fait une playlist. Même des playlists, mais après les playlists, je sais pas si je vais faire à cause des droits d'auteur. Déjà, les TikTok, j'hésite un peu à les faire maintenant. Mais après, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un nouveau truc, c'est Vivo, un truc comme ça. C'est à peu près comme YouTube. J'ai déjà vu une vidéo, mais c'était une vidéo sous-titrée de Britney Spears. C'était un documentaire de la BBC. Bon, j'ai pas très compris le documentaire, mais bon. J'espère qu'il va être en français. Je veux mieux comprendre parce que là. Il y avait trop d'informations et pourtant tu as le New York Times, j'ai mieux compris en sous-titre que la BBC. J'ai pas trop compris, même si c'est le New York Times, il est sur Amazon Prime Video. Je l'ai gardé en version sous-titrée en français et en français. Bon, en français j'ai mieux compris parce qu'il y avait des trucs que j'ai pas trop compris, mais sinon voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!